Okay, comme tu peux le voir, j'offre un magnifique Fortnite disponible sur toutes les plateformes. Si toi tu veux tenter ta chance pour le gagner, pour ça tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Une fois que tu as fait tout ça, tu spammes un maximum de tunnels PSN, un maximum dans l'espace commentaire pour plus avoir des chances d'être tiré au sort. Et tu mets le code créateur Fintech dans la boutique, tu m'envoies une preuve comme quoi tu l'avais mis et peut-être tu gagneras le compte Fortnite que je vous montre en vidéo. Bonne vidéo. Bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour moi je me sens super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement sur vos comptes Fortnite. Du coup, tout simplement pour commencer le glitch, avant, n'hésitez surtout pas à me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur Fintex qui se trouve un peu à gauche de votre écran. N'hésitez surtout pas le mettre dans la boutique Fortnite, cela me fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, la chaîne de Brax se trouve dans la description. Simplement, si vous voulez qu'on vous offre le compte qui est au début de la vidéo, tout simplement pour gagner le compte, il faut juste s'abonner à ma chaîne YouTube, s'abonner à la chaîne de Brax. Du coup, tout simplement, le cap des résultats, ça fera partie des 30 000 abonnés. Du coup, tout simplement, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez rentrer mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, après, vous êtes simplement cliqué sur 13 500 V-Bucks. Après, là, vous êtes simplement coché la case fin retour. Dans fin retour, vous allez cocher la case bug. Et dans corps du message, dans sujet du message, vous allez simplement écrire exactement la même chose que moi. C'est vraiment très important d'écrire la même chose que moi. Et du coup, après avoir écrit la même chose que moi, vous êtes simplement envoyé votre message à Epic Games. Envoie du message. Voilà, après vous avez confirmé votre message. Du coup, après avoir confirmé votre message, vous êtes simplement recliqué sur 13 500 V-Bucks et vous êtes simplement faire achat en cours. Et si le bug a bien fonctionné, normalement, c'est simplement vous ramener à l'écran de V-Bucks. Après avoir fait ça, vous êtes simplement allé vous rendre dans vos paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, vous êtes simplement recevoir des guides d'opinion à vous mettre sur le nom, c'est vraiment très important. Après là, vous êtes simplement vous appliquer. Après là, vous êtes simplement allé dans vos paramètres de match hacking. Là, vous êtes simplement coché la langue japonais. Si le bug a bien fonctionné, normalement, vous ne pouvez pas sélectionner la langue japonais. Après, vous êtes simplement faire réinstaller vos paramètres de défaut. Après, vous allez confirmer. Et normalement, quand vous allez revenir dans la case de V-Bucks, normalement, il y aura écrit V-Bucks en tout grand comme dans la vidéo. C'est vraiment très important qu'il y ait écrit comme ça V-Bucks. C'est-à-dire que le bug, il a bien fonctionné. Du coup, après avoir fait ça, vous êtes simplement allé vous rendre à l'accueil. Là, vous êtes simplement choisir le mode de jeu. Du coup, vous êtes simplement cliqué sur choisir le mode de jeu comme dans la vidéo. Là, vous êtes simplement cliqué sur le mode de Battle Royale. Et normalement, si le bug a bien fonctionné, normalement, tout simplement, vos V-Bucks, vos 13 500 V-Bucks devront venir demain ou après-demain. Si vous avez plus de chance ce soir, si vous avez vraiment fait le glitch le plus rapidement possible, normalement, ce soir, avant que Epic Games le patch. Du coup, comme d'habitude, le pod. Les codes créateurs Fintech dans la boutique Fortnite, voilà les pods, il faut simplement soutenir un créateur. Et là, vous rentrez mon code créateur qui s'appelle Fintech dans la boutique Fortnite. N'hésitez surtout pas à me soutenir dans la boutique Fortnite avec le code créateur Fintech. Cela m'a fait vraiment super plaisir. Du coup, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo de glitch vous aura plu. En profitez vite avant qu'il soit vite patché par Epic Games. C'était Fintech, je me dis simplement bon game tout le monde. Allez, bye.